Bien, salutations les lémures, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Westland Survival où je suis en charmante compagnie aujourd'hui. Bah dis bonjour. Bonjour. Donc voilà, je suis avec ma fille qui voulait justement être avec nous pour qu'on fasse l'écurie de notre superbe cheval aujourd'hui. Donc on va voir tout ce qu'il nous faut comme composants pour pouvoir la faire. Donc il va nous falloir du bois, mais nous sommes bloqués car il faut d'abord qu'on se fasse l'atelier de menuiserie. Donc on va d'abord prendre tout ça. Je pense que là on aura assez. Maman, papa, tu sais ce qu'il faut pour... Pour... Bah pour la table regarde. De menuiserie. Hop. Bien. On fait la fonderie. On fait ça. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai un peu étendu... le plancher, je vais me faire une grande terrasse tout devant, comme un rat. Donc voilà, et derrière il y aura la petite maisonnette. Hein, donc on a mis, je pouvais pas mettre de double porte. Vraiment, je voulais mettre une grande porte au milieu, mais c'est pas possible. Style saloon, donc j'ai mis deux portes à l'entrée. Donc pour commencer, on va aller appuyer ici et on va se poser. Ouais, à l'arrière. Ça là et la fonderie. Là, en face de l'autre côté. On peut la tourner que dans deux sens, ok. Alors on va la mettre comme ça. Je vais faire pivoter ma table dans ce cas-là. Voilà. Alors sachant qu'on peut en faire deux de chaque, on va s'en remonter deux. Donc là il va me manquer du bois. Il faudra que je déplace mes coffres. Hop, on va prendre tout ça. Et donc là, on se refait une petite table. Et là, il nous faudra de la pierre pour la fonderie. Donc on va prendre ça. Hop. Et voilà. Donc ça, je vais le restocker. Voilà, on va essayer de ranger ça correctement. Et maintenant, on va se poser ça dans la base. Alors je réaménagerai ça correctement derrière, hein. Parce que là ça va être un peu compliqué de laisser ça là en plein milieu. Ah ouais, trop bien. Donc voilà, maintenant on peut aller chercher du bois. Hop, on va prendre deux stacks, on va prendre aussi. Je vais d'abord séparer ça en deux pour faire des tas. Alors, je suppose qu'il va falloir un combustible, donc ça je vais le séparer en deux. Voilà, comme ça, ça va se lancer. On va lancer ça aussi ici. Là à côté, je vais commencer à mettre 10 planches dans chaque compartiment. Alors pour construire l'écurie, il nous faut... Il nous faut 15 planches. 15 planches de pain, des lingots de fer, des clous. Ok, alors le reste on l'a. Normalement la corde on l'a. Donc là ça... Ok, donc ça m'en fera 20. Ouais. 3 planches, donc on va aller farmer un petit peu en attendant. Farmer, que veut dire ? On va aller récupérer... de nouveau du bois et de quoi faire. Alors, des planches de pain, j'en avais dans ma messagerie, mais je préfère les garder pour le moment. On aurait pu se crafter aussi tant qu'on y est. Ah mais pareil, ouais non, pour le tableau des annonces, on peut se faire ça par contre. La pigeonnerie. Ouais, pour appeler le marchand, comme ça on va voir s'il vient. Pour ça, je vais séparer. Ça, je vais le reséparer aussi. Il m'en faut 5, voilà. Alors ça, je peux le séparer en deux. On va mettre ça dans la fonderie. Voilà, c'est parti. Ensuite, on va récupérer... ouais... Je vais voir si j'en ai pas ailleurs. Normalement, non. Alors ça, il m'en faut 2.
Voilà, on va séparer ça. Ça, je vais le ranger. Je crois qu'il nous faut ça aussi. Non, juste du bois. Il manque un morceau de bois. Alors, c'est bien que ça se sépare. Voilà. Hop, comme ça, on est bon. Il me faut 5. Ouais. Alors, j'en ai 14. Là, j'en ai 15. Là, je vais en prendre un. Voilà, on va remettre ça. Donc là maintenant je peux le faire. Donc on va se poser ça je ne sais trop où. Hop, ça on peut le créer. Là, je vais me poser ça devant sur la terrasse. Alors, je vais mettre ça par là. Alors forcément on va faire d'autres composants maintenant. Ok, des lanières en cuir, des anneaux. Alors, des lanières. Papa, tu as faim. Ça, il me faut ça. Oui, c'est pas grave, mon cœur. Ça, je sais pas s'il en fallait. Je vais les prendre. Alors, des anneaux, j'en ai 3, mais c'est pas grave, tant pis. On va déjà mettre ce qu'on a, et puis on va aller en farmer. Alors, ça, j'en ai pas besoin. Non. Voilà. Il me faut des lanières en cuir. Je crois que j'en ai pas beaucoup non plus. Alors, d'ailleurs, je peux ranger ça ici. Ah, c'était l'inverse. Papa, ça, je vais mettre ça là. Les câbles, quand on a 11, bah, en falloir pour l'écurie. Ouais, mais on en a encore assez pour construire l'écurie là, oh, donc okay. T'inquiète pas. Des lanières, j'en ai que 2, donc on va les prendre. Il faudrait qu'on se fasse l'appareil tanné. Ça veut dire quoi tanné? C'est faire sécher le cuir, ma puce. Donc l'appareil de tannage, il est là. Donc il va nous en falloir 5, 10 cordes. Ah ouais, bon, pareil, on est bloqué, on peut pas le faire. Donc là, on a fait tout ce qu'on pouvait. La taille de pierre, on peut pas non plus. Ça, on peut pas. Donc voilà, bon, on a fait tout ce qu'on pouvait. Ça, faudra finir. Donc il va nous manquer des anneaux et des lanières de cuir. Faudrait qu'on aille en récupérer. Alors, je vais voir si j'ai pas une chemise à mettre quelque part. Sinon, tu t'en fabriques une? Non, je peux pas. Ah bon? Je ne peux pas me fabriquer de vêtements, ma puce, pour la simple et bonne raison que pour me faire un chapeau. Ah, si, je peux peut-être me faire. Ah, si, je peux peut-être me. Ouais, 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 bien joué. J'ai des fibres normalement qui sont ici. Le tissu, c'est là. Et la corde. Là. Elle est par là. Donc je vais me faire une chemise, un pantalon, et je crois que j'ai besoin d'une paire de bottes aussi pour les chapeaux. On n'a pas besoin. D'ailleurs on pourrait aller dans une zone de bison pour aller récupérer des pots. Ouais, pas bête. Voilà, par contre il va falloir faire gaffe à ce qu'on fait. Ouais. Pourquoi Parce que c'est dangereux comme zone, on va falloir faire attention à ce qu'on fait. Ça, je vais le mettre là. La corde, on va la remettre ici. Je pense stocker mes fibres là. Je vais déposer mes tissus. Alors ça, je pense pas que j'en ai besoin pour... On va se prendre une épée. Attention à ta vie, papa. Ouais, merci. On va se manger deux petits bouts. Voilà, je vais les garder pour si j'ai soif. Bah, t'es à soif. Oui, mais je vais les garder pour si j'ai soif dans la zone et t'es pas obligé de crier mon cœur. On t'entend très bien. Ok, on va prendre nos petits steaks. Et on va se prendre deux porridge aussi. Donc c'est parti, en attendant que le bois se fasse. On va y aller. Parce qu'on aura besoin de peau ensuite pour faire le tanneur. Pour le cuir, donc c'est tout un art là.
Espérons qu'à la fin on ait assez de ressources pour ça. Donc on va se méfier. Ouais, On tu va y aller peux. en... ouais, on va y aller en courant de toute façon, sinon ça va mettre trop de temps. Donc l'écurie, on le fait quand? Bah quand on aura le bois, ma puce, faut que les planches de pain se terminent. Ah, ça me rend 5 de boisson et ça 15. Alors je mange de la viande. Voilà. Donc là on y va, on va se méfier. Si on meurt, on perd tout. Donc c'est pour ça que j'ai laissé mon gros sac On va essayer noir à de la pas tout base. perdre. Tu voudras qu'on l'appelle comment notre cheval? Et pourquoi pas Spirit? On pourra essayer de l'appeler Spirit. Si on peut le renommer, on l'appellera Spirit ou Spirit. boule de neige? Ok. Parce que vu qu'il est blanc comme la neige. Bah flocon alors. Ouais, flocon. En plus, Spirit, il est Ok, même alors pas là blanc. c'est quoi? Alors c'est un C'est un coyote. coyote. Normalement, Ok, tu peux en on va faire se un faire un autre. petit copain. Bravo. On va ramasser quelques fibres. Ouais. Et des semences de Fais maïs. gaffe. Alors ils ont... Ils sont plutôt... Oh, je préférais vraiment aller au saloon au lieu Salut. de tout ça. Mais ouais, mais on ira boire un coup quand on aura fini de faire ce qu'on a à faire. Hein. Qui c'est qui a dit ça? Bah c'est Django. Ça, je vais le stocker en bas. Alors là, il y a un bison écarté du troupeau. Eh ben, il est grand. Bah, désolé de te l'annoncer, mais il a tué ton petit ami. Mais non. Ah non. C'est ici, hein. Ah bah là j'ai pas le choix, il m'attaque. Et je peux en avoir qu'un seul pour le moment parce Ouais, qu'il nous c'est manque. dommage, c'est dommage. Ouais, il nous manque des points. Pourquoi après, dans le temps, tu peux en avoir plus? Ouais, c'est d'abord les coyotes, les loups, ensuite l'ours et Après, tu peux en avoir je me plusieurs. souviens plus du quatrième. C'est peut-être que les gens qui regarderont les lémures pourront nous dire ça dans les commentaires. Ouais. Les lémures. T'as vu, comme il court? Ah bah vaut mieux ouais. Non, c'est mignon. Ah, je vais m'approcher doucement. Je sais pas ce que c'est, mais c'est un serin à Coyote. coyote. Et là, t'as deux nouveaux. T'en as un là et un en Alors haut. seul problème c'est que je l'ai tapé, j'ai peur que les autres Se pointe. viennent vers moi ouais pour se venger. Si on attaque trop près du troupeau, ils se défendent mutuellement et Ah, en gros, genre, mutuellement, il y en a un qui, genre, bah t'en tue un et tous les autres se ils pointent. se protègent. On va En stocker gros, ils ça se comme ça. protègent l'un les autres. On va les uns les autres, ouais. On va séparer ça comme ça. Voilà. Donc on est reparti. On va repartir avec pas mal Pourquoi de là t'es en steak. mode auto? Bah parce que pour aller à la cueillette, c'est plus rapide. Oui, ça repère Voilà, directement. c'est ça. Du coup, t'es pas obligé à chaque fois Je suis pas obligé de courir dans de tous les guider. sens pour trouver. Ah, je peux m'approcher discrètement. Ah bah j'ai été repéré, tant pis. Dommage. Raté. Donc on est reparti en mode auto, voilà. Alors j'ai rebindé quelques touches, c'est beaucoup plus rapide Pourquoi pour se avant promener. t'avais Bah les touches lentes? non, fallait que j'aille à la souris et c'était un peu moins pratique. Donc là, je suis tranquille. Non, moi J'ai ça me toujours marche pas la E souris. pour me baisser, espace pour looter, pour mettre des coups. Coup, c'est clic droit sur la souris. Quand je suis à la maison, construction, c'est R. Et après, il y a d'autres touches comme T. Je crois que c'est pour tout loot. C'est-à-dire quoi, tu loot? Voilà, tout ramasser. Ah, super, merci. Bah, tu me demandes, je te réponds.
Ok, alors là, il y aura un coffre. Alors, par contre, il y a un loup. Je crois qu'il faut 10 ou 15 points pour avoir le loup. Et t'en es à... Bah, j'en ai pas beaucoup, j'en ai 7 et quelques. 7 et quelques. Mais pour le moment, je peux avoir qu'un coyote. Mais j'ai déjà bien un coyote. Je crois que c'est 20 pour le... pour l'ours. Et ben... Ok, on a juste récupéré une boussole. On est pas près d'avoir un ours. Non, grave. Ah, pourquoi ça, ça m'a pas laissé séparer? Hop. Donc on est reparti, on va finir de cuire le maïs, on aura du bon porridge à faire à la maison. C'est quoi le porridge? C'est du maïs en bouillie. Ah. C'est comme une purée. Une purée de maïs, quoi. Ouais, voilà. Alors la zone des... Les gars, tu as encore un bison. Ouais, mais là c'est pas un bison que j'ai à tuer, c'est un coyote. Non, sachant qu'en plus elle est immense la zone. Ah là, c'est un par contre. J'ai pas mon petit coup. Ok, mon arme est cassée. Je vais pouvoir aller récupérer ça. Ok, on a pris pas mal de fibres, ouais, c'est cool. Beaucoup. On en a récupéré 42 pour être exact. Voilà, je vais mettre ça là comme ça. Hop. Et 23 graines. Ça, si tu veux, voilà, si on a, vous avez besoin de fibres pour faire des pansements. Enfin, je dis des pansements, mais pour les pansements, non, c'est juste. Oui, voilà. Faut ouais, des fibres pour. Pour non, regarde, faut des fibres pour faire les pansements et faut aussi du tissu. Et le tissu, je crois que ça se fait avec les fibres. Ah. Donc faut. Ouais, ouais. Je sais même pas en fait. Vraiment, Là, les machines à coudre. Ah, bien. Donc non. Après, ça permet de faire sûrement du tissu. Faut pas de. Le tissu là-bas. Donc, ouais, c'est assez. Marrant l'association. On va pas tarder à reprendre un niveau. Donc ça va plutôt vite parce qu'on est au niveau 16 et la barre blanche, ah oui, elle t'indique les points d'expérience que t'as récupéré. 84% de vie. Ouais. C'est ça. Ça, ça, on peut se manger un petit steak. Je vais prendre une petite baie pour la, pour la boisson. Voilà, je vais peut-être même en prendre encore une. Ah, ça, ça me donne combien? 20 soins, ouais, je vais peut-être pas le prendre maintenant. Ouais, non. Ok, donc là il n'y a plus de ressources, donc maintenant on va aller taper du bison. On va éviter de se taper tout le troupeau. À notre ours. Donc là il reste du troupeau au-dessus, on va faire gaffe. Ah ouais, en fait, dès que je fais T, ça me restack tout. Fais gaffe. Ok, mon arme elle est cassée, je vais en reprendre une. On tue encore 3 bisons et on rentre. Ok, je crois qu'on... Non, 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 je tue tous les bisons tous et on se... Ouais, ouais, tant que mon sac n'est pas plein, on chasse, comme ça, ça nous laisse le temps aux planches oui, de se faire. Pour le cuivre. Tu regardes là, il revient m'attaquer derrière. Ah, non, deux. Ils reviennent. Alors, le seul problème, c'est que je crois que mon loup, mon coyote, il est bloqué maintenant. Il te reste vraiment plein, plein mais de... il est bloqué là entre les deux. Ah, ça c'est ballot. Et pourquoi? Ah, parce que ils sont imposants les bisons et ils l'ont coincé. Alors c'est un peu dommage. Pourtant il y a plein d'espace entre les deux, mais s'ils veulent pas. Hein. Ouais, il aurait largement la place de circuler, mais bon. Si tu veux que je te dise. Nous, on va se manger ça. Je vais prendre un petit fruit aussi.
c'est quoi? On va faire ça comme ça, hop. Tu vois, il est coincé. Pauvre cueillette, là. On a qu'à le tuer. Moi, j'ai celui-là qui me charge, donc hop. T'en as un autre qui te charge. Franchement, ouais. En fait, quand ils sont morts, on dirait pas. On dirait juste qu'ils sont bloqués debout. Il t'en reste 3. Voilà, on va se taper celui-là. Alors je vais prendre mon dernier soin, ça me fera de la place, je vais foutre les fruits ici. Je vais quoi? Je vais mettre les fruits ici, pardon. Alors je vais peut-être inverser T et R parce que... C'est pas pratique. Ça me gêne pour le loot. Ton arme est cassée, papa. Ouais, je sais. Tu tues le bison à main nue. Alors, je vais au moins essayer de tuer celui-là, là. Bien. Voilà. Alors, on va vraiment bientôt passer un niveau. Il y aurait pas possibilité de se faire un petit gourdin. C'est quoi un gourdin? C'est ça. Voilà. Bah, ce sera toujours mieux que de taper à main nue. Ouais. C'est le dernier de son troupeau. Non, c'est pas le dernier, il en reste d'autres. Ouais. Ok, on a pris un niveau, ça m'évite de me soigner. Non, rien. Par contre, j'ai plus de chapeau. Si, si, il y en a encore. Envie. Ah, on peut peut-être se mettre un point encore en esprit. Histoire que ça avance un peu. Là, il te reste 3. Allez, s'il te plaît, meurs. Alors, faut vraiment y aller avec plusieurs armes. Vraiment, vivement qu'on puisse se faire des lances. Des lances. Ah, t'as vu la déformation de la tête là? Non. Il y a un petit bug graphique. Bah, regarde, le corps du bison il est là et sa tête elle va dans. Oh, trop fort. Dans le cactus. Trop fort. Ok. Donc, on va y aller en mode sneaky. Ça veut dire quoi, sneaky? Discret et accroupi. T'avances peu à peu hein, dans ton niveau 17. Fais gaffe à ta vie, en fait. Non, c'est pour ça que j'ai pris un petit soin, là. C'est mon taquin. Bah genre il part. Ouais, je pensais qu'il allait me charger mais en fait il a fui. Bah donc on va le pourchasser. Tu vas le pourchasser toi? Bah ouais, puisqu'il va revenir à la charge donc Ah oui, en fait il veut s'écarter pour avoir plus de puissance. Ouais, peut-être pour prendre plus de vitesse. Ah, par contre il me refaut un truc ici. Juste fais gaffe à tes vêtements. Alors, mademoiselle est un peu malade, veuillez l'excuser. Ça, on l'avait déjà fouillé, ouais. Ok. Donc, on va essayer de finir de faire le tour de la zone pour voir s'il n'y a pas un bison qui traîne quelque part. Je pense pas parce que les bisons, c'est un jaune et... Bah, justement, on va voir s'il n'y a pas une tache jaune. Alors, déjà, là, il y a ça qu'on peut récupérer. Bien. Hop. Un petit. Bah non, je crois qu'on les a tous. Non, non, mais on n'a pas fini de faire le tour, donc on va terminer correctement. Ouais.
Fais gaffe à ton pantalon et tes chaussures et... Oui, merci. Tant que je me fais pas attaquer, c'est bon. Voilà, ça tiendra le choc. Et je suis pas sûr qu'il y ait des PNJ qui. C'est quoi les PNJ, papa? C'est des joueurs contrôlés par. Ordinateur. Enfin, qu'on. Oui, c'est pas des joueurs réels, voilà. Bon bah a priori là cette fois c'est la bonne, il n'y a plus rien, je vais essayer de couper au milieu pour vérifier. Vas-y, vas-y, fais. Merci. Tu m'en prie. Après on va rentrer. Ouais, alors j'espère qu'on aura nos planches qui seront sorties. Donc a priori c'est bon. Hein. De toute façon on aura récupéré pas mal de ressources là. 49 pots, 50 steaks, une peau grise, une dent. Une montre à gousset qui va pas nous servir à grand chose pour le moment. On aura utilisé une tenue quasiment complète. Donc oui, ça va. Franchement, on a 50 fibres, pardon. Ah, c'est bien aussi, on va pouvoir faire du pansement et se refaire une. Je vais me refaire une tenue d'abord. Et ensuite, avec. Bah, chapeau, non, j'en ai plein à la base. Ouais. Mais surtout aux chemises, pantalons, bottes. Mais Et oh, voilà. Alors j'ai mis accéléré, mais on va se regarder une petite pub qu'on va couper au montage. Ok, donc on a récupéré nos trois petites pièces pendant le trajet. Alors ouais, on peut accélérer. Non mais... Ok, donc on est de retour à la base, on va voir si nos planches sont sorties, on va se méfier parce qu'il y a la nuit qui tombe là. Ouais. Donc là il y en a 6, hein. Je crois qu'on va en avoir que 12. Voilà, c'est ça, il va nous en manquer 3. Dans une minute environ, il y a les prochaines qui arrivent. Là on a tous nos lingots. Alors je vais les laisser stocker ici pour le moment, là je vais remettre du bois histoire que cela sorte. On va les ranger déjà. Pièces, tu peux passer. On va. Non, j'ai pas envie de passer avec des pièces pour le moment. C'est pas parce que j'ai eu plein de pièces que il faut se dire qu'il faut tout dépenser. Oui, j'en ai 3609. Pas plus que dans, tu sais quoi. Dans Last of Honor ? Non. Ah, c'est sûr que j'en ai moins dans Last des Mapus. Non, mais j'étais pas dans Assassin's Creed Odyssey. Oui, mais ça c'est autre chose, Assassin's Creed Odyssey. J'ai plein de. De drac, mais parce que voilà, c'est la monnaie du jeu. Alors je peux me stocker ça en fibre ici. Ok, alors pour l'écurie, il va déjà tout manquer 3 planches. Alors en attendant, on peut déjà récupérer tout ce qu'il faut. Donc il nous faut 5 clous. 5 clous. Donc on va aller chercher 5 clous qui sont là. Parfait. Ça, je crois qu'il en faut 5 aussi. Donc je vais séparer. Voilà, on peut même vérifier là. Voilà, ouais, donc 5. Ça c'est bon. Faut 5 fer aussi, plaque en métal. Je vais me libérer de l'espace en remettant des steaks à cuire. Ouais. Voilà, faudra qu'on se fasse le séchoir pour aussi en faire sécher. T'as de la bouillie de maïs prête. Je vais surtout déjà séparer ça en deux. Voilà. On va mettre les autres à côté. Comme ça, c'est fait.
Je vais séparer le stack de bois. On va aller en remettre pour le porridge. Voilà. Alors avant que ça se termine mal, on va boire aussi un coup pour être tranquille. Et donc, qu'est-ce qu'il nous manque d'autre? 10 cordes. Donc on va faire ça. Hop, on a pris les 10. Donc on va tout mettre là. Ça, je vais le déplacer. Et il nous manque les lingots de fer. Donc là, il y en a 6. Là, il y en a 5. Donc c'est parfait. Est-ce que j'ai pas une petite planche qui est sortie entre temps? Si, voilà. Hop. Il nous en manque plus que 2. Ah, il nous en manque une maintenant, surtout. Est-ce que... Alors, malheureusement... ouais, non, ça, il faut que j'évite de le faire. Le séchoir. Ouais, faut du bois. Faut du bois pour tout, quoi. Les pièges, on s'en fiche un peu pour le moment. Ouais. La malle, caisse moyenne, ce sera pour plus tard. Ouais. Le marteau en pierre. Non. Ouais, je vais m'apprendre le séchoir. J'ai un point. Un point de quoi? Bah, un point... de savoir, on va dire ça comme ça. T'en as deux. Ah, il m'en reste deux, c'est vrai. Donc t'en avais bah, je vais apprendre le tableau des annonces aussi pour le faire pour la prochaine fois. Au moins, l'écurie, tu l'as déjà appris ou pas? L'écurie, je l'ai déjà appris. Il me manque juste une planche de bois pour la faire. Ouais, il faut attendre 2 minutes. Bientôt une. Alors, je peux déjà aller stocker ma pierre, parce que là j'en ai pas besoin. Hop, vu que j'ai de la place, je vais déposer mes fibres aussi. Ainsi que mes pots. Alors, je crois que j'ai des pots qui sont stockés par là, me semble-t-il. Là, j'aurais pas la place de toutes les mettre. C'est un petit peu le problème. Je vais déjà prendre celle-là. Voilà. Bon, écoutez, vous savez quoi? Je vais toutes les prendre. Et là, je vais déposer ma viande. Et puis, bah, je rechangerai plus tard. Voilà, pour le moment, il y a de la place. On va se mettre ça là. On est bientôt à court. Il faudrait que je sorte mes coffres forts et mes malles. Au pire, mes armes, je les mettrai dans les coffres forts. Alors, 50 secondes. Ça, je peux aller les stocker. Voilà, j'en ai 14. On va se manger ça. Hop. Je vais me prendre un bol de porridge aussi. Alors, il faudrait que je pense à me faire du charbon. Ce serait pas mal, du charbon. Alors, on va remettre du bois. Parce que ça me permettra de... je vais mettre tout mon bois. Ça me permettra de... que ça tienne plus longtemps que mes bûches de pain. Ah, ok. Parce que là, on va être vite embêté. Ça, je vais le couper en deux. Là, je vais le stocker là pour quand on ira miner. Et normalement, alléluia, on a notre planche. Donc, on peut se faire l'écurie. Ah non, il me fallait un point pour le... Oh, t'as vu? Je pensais l'avoir appris. T'as vu? Ah, je pensais l'avoir appris. Les points, eh ben, il faudrait que je réinitialise tout. Quoi? Et je crois que j'ai le droit qu'à un essai parce qu'après. Bah, vas-y. Hein. Après, faut s'acheter ça, là, le savoir. Tu vois, livre de recyclage. Réinitialise tous les points.
Donc le premier, ça se trouve, il m'est offert, mais après, Et tu l'as déjà les autres, c'est fait? 200 pièces. Non, je l'ai jamais fait et je tiens pas trop à le faire. T'abuses? Ce qu'on peut se faire en Bah attendant. sinon, bah pour essayer d'en avoir, on pourrait essayer, enfin je sais pas moi, de prendre des niveaux et tout, non? Non, mais ce que je propose, c'est qu'on va faire une petite coupure. On va aller se chercher un level et on retrouvera. Le petit lémur après, c'est On se ça. retrouvera avec les petits lémures effectivement après. Donc on va aller farmer du fer, tout Ouais. simplement. Alors déjà, je vais me prendre ça tant qu'on y est. Hein. Je vais vite aller me chercher des bûches de bois. Ici, là ça continue de cuire, donc je suis tranquille. Là, je vais me faire ça. Et une hache. Ok, je vais redéposer le bois là. Les pierres ici. On se retrouve tout de suite après. C'est parti. À tout de suite. Eh bien, salutations les murs, nous sommes de retour. Et donc cette fois-ci, c'est la bonne. On a notre petit point pour apprendre quelque chose. Donc on va assimiler ça tout de suite avant de faire la boulette. On a appris l'écurie. Je vais juste vider mon sac avant. Alors j'ai des trucs à stocker ici d'abord, comme les pots. D'ailleurs on peut intervertir comme ça. Alors le croc, je vais pas le mettre là, puisque je vais en avoir besoin ailleurs. Ça, je peux le laisser ici. Voilà. Je vais aller déposer une petite flasque là. Et donc normalement, si tout va bien, on peut se construire l'écurie. Ah oui, il manque les barres. Ouais, je Les voulais pas barres, les dire barres, de les barres. bêtises, mais... Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va créer ça tout de suite. Hop. On va retourner là. On va déposer ça là. Non, je vais stocker mes pierres en haut, ce sera plus joli. Voilà, la suite comme ça. Ouais, Pourquoi je suis un joli? peu. Parce que je suis maniaque. Je veux que ce soit rangé correctement. Donc là, par exemple, tu vois, je vais me saouler à aller chercher où est stockée ma corde. Donc ma corde est stockée là. Je fais ça comme ça. Alors j'ai des chemises en rappel là. Enfin, en râpe surtout. Ok, alors mes lanières de cuir. Là-dedans, je peux la mettre là. Les lanières de cuir, ben, je vais les mettre à la place des dents. Ça, je vais le mettre là. Je vais plutôt prendre mon couteau et garder ma lance que j'ai récupérée en allant au combat. Je vais stocker mon petit sac là. J'ai perdu l'autre, je suis mort en zone malheureusement. J'ai eu deux assaillants sur le dos, j'ai pas pu m'en sortir. Et en fait, j'ai cru que j'étais en train d'en taper un et que l'autre se faisait. Les deux PNJ à côté étaient en train de se taper mutuellement, mais en fait non. Je fus pris pour cible par les deux. Donc ceci étant dit, maintenant on va appuyer sur R et on va se poser notre écurie. Alors, je voulais la mettre par là. Déjà, je vais la faire pivoter. Pourquoi je ne peux pas. Alors je vais la décaler par là pour voir. Ok. Ok. Donc là, elle prend pas mal d'espace. Alors au pire, je déplacerai mon puits. Je mettrai mes deux puits du même côté. Ouais, quoi qu'on lui laissera un petit point d'eau. Mais alors là, ça va être un peu embêtant. Je perds de l'espace derrière. En tout cas, bref, c'est monté. Maintenant, on va voir ce qu'ils nous demandent, puisque ce n'est que le chantier, bien sûr. Hein. Ah, je peux passer par là. Donc là, qu'est-ce qu'il nous faut? Ouh, bah déjà, j'ai deux petits sacs. Il faut aussi des fers à cheval. Donc ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais faire ça comme ça, déséquiper mon sac. Je vais aller ranger mon porridge ici. Donc on va prendre note, tu retiens. Ok, tu veux que je note ou pas? Donc la selle on n'a pas, les étriers on n'a pas, les fers à cheval on n'a pas, ça on peut en mettre, on en a. Ça j'en ai dans la C'est messagerie. quoi? C'est Les rênes. ouais, le mort.
Ouais, le morse. Et les sangles pour tenir les lanières. Donc ça, on en a 20, c'est bon. Là, on a deux sacs. Au pire, je peux en refaire deux. Ouais, c'est de la corde et des fibres. De la corde et des fibres. Allez, je vais chercher ça tout de suite. Déjà, la corde, elle est dans le dernier. Donc, de la corde, j'espère que j'en aurai assez. Faut le morcer les rênes. On va aller prendre les fibres. Hop, je vais voir pour les deux sacs. Donc, là, ouais, je la prends. Hop, j'en fais deux. On a nos quatre sacs. Voilà. Maintenant, je prends, j'ai mes fibres. J'en ai un sur le dos. Ce serait bien qu'ils viennent là. Hop. Donc là, maintenant, on va mettre nos 4 sacs. Je peux en mettre un. Vas-y, bah prends la souris. Bah, tu peux tout mettre si tu veux. Tout ? Ouais, vas-y, je t'en prie. Ouais, faut ça. On va aller voir si on a des anneaux qui traînent. Non, la corde, il n'y a pas besoin. J'ai cherché, il n'y a pas. On va voir s'il nous reste des anneaux. Là, il n'y a pas. Là, on n'a pas. Bah, va falloir farmer les anneaux. Là, il n'y a pas non plus. Hein. Et là, on n'a pas non plus d'anneaux. C'est tes seuls coffres. C'est mes seuls coffres. Bah, écoutez, voilà. Quand on aura complété notre collection d'items pour finir de construire l'écurie, nous ferons ça ensemble assez rapidement. Comme ça, on pourra aller se faire des promenades à cheval. Sur ce, la demoiselle et moi, nous vous remercions d'avoir suivi jusqu'au bout et on vous dit au revoir et à la prochaine. Est-ce que...